allez tous avoir un rôle différent. Je vais vous donner vos répartitions. Vous avez tous vos numéros de plaque. Il faut bien le connaître. 8, 2, ils n'ont que les numéros de plaque. Donc il ne faut surtout pas les intervertir parce que ça changerait peut-être les points. Donc le groupe 1 de BSR, c'est de Pascal. Pascal Benet et Pascal Guillaume-Saint-Paul. La plaque 2, Julien Gross. La plaque 3, Evan, Victoris. La plaque 4, Soal Lecoq de Saint-Bonnet. Deuxième boulette, c'est 37 et 38. Mère à Saint-Bonnet. Oh merde! Oh merde! Avant ou arrière? Arrière? Qu'est-ce qu'il est là, là? Ouais. Ça va détendre. Il faut aussi desserrer ça, non? Non, ça, c'est pour la gaine. Ouais, c'est juste ça pour le gage. On va faire sur cette chaîne qui est là. Alors ça, c'est des attaches rapides. Donc on va enlever l'axe qui est ici. On va se retrouver avec une petite partie là. Donc c'est ça, en fait, ton axe. On va le sortir. Voilà. Vous avez le circuit. Là où tu as trouvé le circuit, c'est que là, dans cette zone, vous devez trouver une balise. Dans la balise, vous aurez une perforette pour vous faire trouver la feuille. Donc il faut bien revenir avec la feuille avec les cartes. D'accord ? Et vous notez en fait sur la carte là où vous avez trouvé la balise. Vous cochez, vous faites une croix quelque part. Là où vous avez trouvé la balise. D'accord ? Vous avez une heure et demie. Vous tournez là, au départ. Là c'est la salle. Ici là il y a la salle. Vous pouvez sortir ici. Donc ça ressemble à quoi il va dire ? C'est un espèce de tube rouge qui a mis, qui est ficelé à un arbre, un poteau, etc. Et à ce tube, vous avez un bocal avec dedans un stylo et la poissonnette. Ah, ok. Pour être certain que vous avez passé à la balise. Vous pouvez avoir un stylo. Non, il y en a là-bas. Ah, bah c'est bon. C'est un stylo normalement. Merci. Dans... Ouais, merci. Vous avez 2 heures. 2 heures. En fait, dans la journée, on va passer les deux. Voilà. Alors déjà les balises, les énigmes. Réponse. Vas-y. La première question. Les énigmes 1. Ouais. Les habitants. C'est la capitale du chapeau. Capitale du chapeau. Ouais. La 2. Le lion. Ouais. La 3. Le lapin. Ouais. La 4. Réponse 1. Les habitants, là, c'est 5000 Ouais, c'est ça. Tout comme pour les cyclistes, pour ce cyclo-autobus, le risque d'accident augmente car
Il est une côte à côte. Réponse A. Il pleut. Réponse B. Il ne porte pas de gilet réfléchissant. Réponse C. À deux de front. Réponse B. Nous devons rouler l'un derrière l'autre. Réponse C. Vous voyez ? Tu vois, moi ? Ça te passe bien ? Tiens. Il y a un bon. Heureusement que j'étais pas minuté, hein.
Alors, ça y est, on était super bien, on était en pull et tout, et là on Là, là ça sera mort. On va à gauche. On va à droite. Et on va à droite. Alors là, question? Ouais. Merci. Alors d'abord, je voulais tous féliciter tous les participants pour cette journée parce que moi j'ai navigué partout, je vous ai vu, vous aviez tous le sourire, donc ça veut dire que vous avez fait plus plaisir, donc c'est super bien. Donc je vous félicite, quel que soit le résultat que vous ayez fait. Je remercie tous les encadrants qui ont participé sur cette journée. Parce qu'il fallait du monde et tout s'est super bien passé, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de blessés, donc super. Même s'il y en a qui sont un peu perdus, mais on le sait à chaque fois, il y en a qui se perdent. Donc ça, c'est pas très grave, parce que tout c'est qu'ils reviennent. C'est le principal. Voilà, on les applaudit très fort, les filles.
Numéro 1 est déjà parti, mais c'est pas grave. Bravo les gars. Bravo, bravo, bravo à vous. Bravo à tous, c'était super bien, merci aux encadrants. Qui t'a dit de la prendre. Si tout le monde fait comme toi, il va nous en manquer. Alors tu attends pour toi. Merci.